Pierre Sagan, bonjour. Vous êtes le directeur de Bicat Aventure. Cette année, un nouveau produit. Eh bien, un nouveau produit, une nouvelle destination surtout, puisque après des longues années de prospection et d'attente, on ouvre Madagascar. On le voulait, on en a très envie, donc on ouvre Madagascar officiel juin prochain. Donc une base à Nocibé, où on proposera nos raids, évidemment, raids dans un endroit sans doute fantastique. Et puis également des stages pour ceux qui ont envie de plus de confort, donc des stages de découverte en catamaran et en kayak. Également. Voilà. Donc également de nouveaux produits sur les autres bases. Alors des produits sur les nouvelles autres bases, en effet, sur les, en plus des raids Obicat, des raids kayak, kayak de mer, et puis des formules un peu plus confortables avec des couchages en guest house sur un hôtel, ouverts également aux débutants, parce qu'on s'est aperçu que nos clients maintenant, certains de nos clients voulaient réapprendre ou apprendre ou faire apprendre leurs enfants. Pouvez-vous nous rappeler vos différentes bases? Les bases aujourd'hui l'été, donc la Croatie qui marche toujours aussi bien, la Turquie qui est la base historique, et Madagascar donc nouvelle base, et puis l'hiver, Seychelles qui continue à marcher très bien. En attendant une nouvelle base hiver, on prospecte, on regarde, pas facile. Pierre, merci beaucoup pour ces informations, et puis on a hâte d'y aller. Avec plaisir.